Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prize and Crate. Donc cet épisode est enregistré en live comme l'atteste l'audience en délire sur le chat que vous ne pouvez pas entendre du coup. Et donc déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va retirer la pause parce que retirer la pause c'est quand même vachement plus pratique et que c'est génial parce que mon staff est encore une fois bloqué comme des gros débiles au niveau de la porte. Déjà, on va débloquer mon staff. Voilà. Ça commence. Donc, alors, première étape, c'est déjà, on construit le cell block A. Ici, de ce côté par là. Ensuite, on va mettre une petite cloison au Warden. Et qu'est-ce que c'est que ce truc, un Polaroid? Ok, bah, vas-y. De toute manière, il me semble que ce n'est pas encore un plan ou implémenter ou n'importe quoi ce que vous voulez. Et là je suis en train de me rendre compte que pour une raison super magique j'ai fait mon truc comme un gros boulet, mais vraiment boulet. C'est que un bureau doit faire 4 par 4 et là j'ai 4 et puis là j'ai 3. Donc on va faire des grands bureaux pour des grands administrateurs avec 17W muets. 1, 2, 3, et voilà, j'ai même réussi à fail où je voulais placer mon mur. Et c'est génial! On va faire des bureaux avec des tailles pourraves, parce que là, ça serait bien que j'en fasse un ici. Mais si j'en fais un là, ça veut dire qu'il faut un mur ici et un mur là. Et il me faut un garde, parce que je ne vois encore une fois que dalle dans mon truc. Ça commence déjà tellement bien. Toi, mène-toi ici. Mène-toi là. Toi, ici. Toi, là. Toi, par ici. Et vous deux, vous glandez. Super, alors là super quoi, mon mur ne ressemble à rien, c'est vrai qu'il faut que je me remette ici pour voir un mur. Donc finalement je ne peux faire que deux bureaux dans mon truc, un bureau ici, un bureau là, le reste ça sert à rien. C'est génial, la dernière fois je m'étais dit que j'allais enfin pour une fois compter ce qu'il est, les trucs et faire ça bien, genre faire des bureaux avec les bonnes tailles, tout ça. Ça c'était la dernière fois. Cette fois-ci ça ressemble à rien, parce que c'est tellement mieux quand ça ressemble à rien. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, déjà construire un deuxième office. Donc on va faire ça. Room. Office, office. Ça y est, je le cherche encore. C'est ici. Voilà, 4 mètres par 5 mètres. 4 mètres par 5 mètres. C'est très bien, donc lui il fout le bazar. Alors, toi, tape le. Alors là, bien sûr, c'est forcément c'est celui-ci qui va vouloir aller le chercher. Alors, pourquoi j'ai des lumières absolument partout? Là, voilà, je pense qu'on vient de voir encore un nouveau bug du jeu. Parce que là, il y a une lumière ici. Là, il y a une lumière là. Et j'ai jamais demandé d'avoir autant de lumière partout. Donc là, pour une raison complètement obscurement, totalement inconnue, etc. Surtout, etc. en fait. On se retrouve avec des lumières absolument partout. C'est génial et c'était pas du tout ce qu'il fallait. Donc nous, il faut qu'on cherche un accountant, donc finance. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bureau comme il faut. Donc une chaise. C'est toujours plus pratique d'avoir une chaise à son bureau qu'un banc qui fait 25 mètres de long. Enfin, moi, je trouve, après, ça dépend des personnes, mais bon. C'est mon avis personnellement personnel, et je suis d'accord avec mon avis personnel. Ce qui, en soi, est vachement mieux pour la vie de tous les jours d'être d'accord avec soi-même. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc ça, maintenant, c'est le bordel du brouillard de guerre ici. Et il faut que je détruise cet endroit-là, ici. Ah, bah c'est peut-être les lumières qui vont ici. Ouais, non, parce que ça serait pas super logique. Donc, on a dit détruire ça, ici. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas de confirmation qu'on vient de demander
Ouais, il n'y a pas de confirmation que je viens de demander la destruction d'un bidule ici. Donc du coup, à un moment ou un autre, un jour, peut-être éventuellement, dans quelques temps, plus ou moins très longtemps, il va y avoir quelqu'un qui va défoncer un truc ici, qui va forcément... Voilà, faire un petit trou et là il y a une petite porte, donc on va prendre un garde qu'on va amener ici. Forcément, ça va jamais suffire au nombre hein? Voilà, moi aussi je sais parler. Donc, là on va faire quelques cellules. Déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une mur ici et un mur là. Ok, donc le garde il va remonter ici. Voilà, donc on va dessiner des cellules puisque j'ai des prisonniers qui arrivent dans 15 heures. Donc avec des murs. Oui, bah c'est mieux d'avoir une cellule avec des murs. Je crois que j'ai pas fini ma phrase en fait. Donc là, j'ai ma grosse cellule holding cell ici qui peut contenir un certain nombre de prisonniers. Qui peut contenir 8 prisonniers apparemment. Et donc là, on va faire des cellules. Donc déjà, il va me falloir 17 milliards d'années pour réussir à faire des cellules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être intelligent pour une fois. On va déjà prendre un garde, lui, toi. Non. Toi. Va ici. Toi. Hop. Fais-toi searcher. Fais-toi chercher. Ça serait mieux si je fais un... Mais non, mais... C'est avec toi que je vois ici. Ah. Donc toi. Cherche-le, voilà, il t'a fait un câlin, tout ça, donc toi, amène-toi là. Donc, cellule. Une cellule doit faire 3 par 2, c'est ça? 3 par 2 ou 2 par 3, ça revient au même. 3 par 2, donc un mur, 3 par 2, 3 par 2, 3 par 2. On déplace le garde. C'est très pratique pour avoir de la vision, en fait, on est obligé de déplacer les gardes. Hein. C'est vrai que j'aurais mieux fait de le connecter à l'électricité pour que je voie quelque chose. Ça aurait été pratique un jour. 3 par 2, 3 par 2. Ah! Sans faire exprès, pour une fois, j'ai fait un truc cohérent et pratiquement utile. Donc, des murs. Ah, bah ça va bugger si je le laisse. Hop. Voilà. Donc. Hop. Un petit effet de mode. Voilà. On va mettre des objets avec un Z dans les cellules avec un W comme dans ceci. Parce que oui, dans ceci, il y a un W muet au début. Apprenez l'orthographe avec moi. Hop. Quelques portes. Et des toilettes. Hop. Et c'est tout symétriquement symétrique. Et donc voilà. Ça, de ce point de vue-là, c'est possiblement bien comme ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre de la électricité. Ça commence par un H, hein, électricité. Donc on va électrifier ça par ici. Par là et puis par ici. Voilà. Normalement, d'ici à peu près 5 plombes et 5 plombes, hein. Voilà, ça devrait être à peu près ça, l'estimation temporellement bonne de ce qui va se passer. Allez, on se dépêche. J'ai toujours des millions d'ampoules là. Non, donc en fait, je pense que toutes les lampes qu'ils avaient stockées ici, c'était toutes les lampes qu'il fallait installer là-dedans. Et que vu qu'ils n'avaient pas accès là-dedans, bah ils ont fait n'importe quoi. Donc là, j'ai mes prisonniers qui ne peuvent pas rentrer dans leur cellule, parce que j'ai des prisonniers disciplinés qui le soir, ou la nuit, ou je sais pas quand, veulent rentrer dans leur cellule. Est-ce que j'en ai pas paumé un? Non, je n'en ai pas encore paumé. C'est bien, donc toi déjà, tu te fais chercher. Voilà, hein, arrête de foutre le bordel. Tu fous le bordel, je te cherche. Ah, tu me cherches, je te trouve. Non. Ah voilà quoi. Vous m'aurez compris que c'était rare, peut-être éventuellement, possiblement, oui. Je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? Un lit. Donc les lits ne sont pas encore installés. Et il va aussi falloir que j'amène... Alors là, j'ai un gros tuyau ici. Donc ce que je vais faire, c'est amener le tuyau là. J'ai dit le tuyau là. Et on va mettre du petit tuyau. Foot! Et là, c'est problème de design parce que j'aurais pu éventuellement économiser deux petits tuyaux, je pense. Ouais, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Parce que des fois, je pense. C'est rare, ça arrive très rarement après 17h30, mais ça arrive quand même un petit peu. Donc, eux, ils font la bouffe pour tout le monde ou pas? Est-ce que tout le monde a mangé comme il faut? En même temps, je m'en fous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça me va. Oui, moi je maltraite mes prisonniers aussi. On a le droit d'avoir la lumière aussi un jour là? Hein? Lumière, lumière. Alors, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Toi, chercher. Toi, chercher. Bah, homesick. T'es en prison et ta maison te manque. Est-ce que t'es pas un peu idiot? T'aurais pu y penser avant de t'aller, enfin de te prendre un truc pour aller en prison. Ah là 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 là, c'est prisonnier. Vous pouvez pas installer ça plus vite, vous, là? Bon, après ces premières cellules, on va dessiner d'autres cellules ici. Donc, non. Ça, c'était une mauvaise idée. Mauvaise idée. Ceci, il y a les couloirs ici, mur là, cellule là. 3 par 2, 3 par 2. Pareil. 2 par 3, oui, des fois je peux le dire dans l'autre sens aussi. 3 par 2, 2 par 3, 3 par 2, 2 par 3, 3 par 2, 6 divisé par 2, par 4 divisé par 2, 3 par 2, 3 par racine de 4, racine de 9 par racine de 4, racine cubique de 16 par racine cubique de 27. On peut décliner, hein. Ça. C'est déclinable quasiment à l'infini. À moins que ce soit l'infini qui soit quasiment déclinable à ça. Alors pourquoi il ne peut pas installer le câble électrique ici? Je pense qu'il va falloir que je fasse le tour avec mon câble électrique. C'est génial! On fait des trucs magiques! Bon, j'ai le droit d'avoir la lumière dans ma prison maintenant? Hein? Vas-y, lumière! Et la lumière fut. Lumière? Lumière? Allez. Lumière? Zouif? Oui! Non! Là, 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 on devrait avoir la lumière. Mais ils ont toujours pas la flotte. Et dans 8 heures, on a des nouveaux prisonniers. C'est génial! Donc, utilities. Alors pourquoi? Ok, ils ont annulé. Ça a annulé la pose de mon petit tuyau ici qui a défoncé la possibilité d'utiliser les tuilettes. Les tuilettes. Oui, parce que chez moi, on utilise des tuilettes. Nous n'utilisons pas des toilettes, nous utilisons des tuilettes. C'est pareil, mais c'est pas du tout pareil. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des murs. Là. Oui, je sais que je pourrais faire une blague moisie avec ronce, présentement, mais je ne la ferai pas. Enfin, en fait, je viens de la faire, puisque je vous disais que c'est pas possible à faire. Donc, fatalement, en théorie, vous l'avez toute faite dans votre tête. Hop, un mur ici, là, ici, là, ici, là, et ici. Donc maintenant, on va mettre des machins dans les cellules. Donc des lits, tu vois, vous allez dormir la tête collée. La tête vers la porte. Voilà, ça c'est très bien. Des toilettes. Mais arrête de foutre le bordel, toi!
Ah là là. Tu m'es obligé de faire attention à ces prisonniers maintenant? Où va le monde pénitentiaire? Toilette, toilette et toilette. Alors pourquoi j'ai tous mes gardes qui sont ici? Donc toi, tu t'amènes ici tout de suite. Toi, tu t'amènes là tout de suite. Et toi, va glander par ici. Et toi, va glander là. Je vais enfin pouvoir avoir quelqu'un d'eau potable. Le chef de la sécurité, est-ce que je vais me l'acheter ou pas? J'hésitationne. Du verbe évitationner, non, du verbe hésitationner. Le verbe évitationner, ça marche pas. Oh, mais toi, ta tronche, toi! Vas-y, va te faire. Mange-toi un garde dans le coin de la tronche. Et toi, amène-toi ici pour que j'ai de la vision dans ma prison. Ça, oui, ça c'est bon. Donc on va commencer à poser des trucs utiles. Des trucs utiles étant des utilities. Ouais, cette blague est nulle. Cette blague est tout à fait nulle. Donc ensuite, on va mettre du petit tuyau. On va mettre du gros tuyau. Ici. Alors c'est là où on voit un truc super logique. C'est que le câble électrique... Le câble électrique. Je peux le tourner comme ça. Le tuyau, je ne peux pas le tourner comme ça, il s'auto-tourne. Donc, toilette, toilette, et portes, parce que des portes pour une prison, c'est quand même des fois un peu utile. Même si ma prison, pour le moment, c'est un peu minimum sécurité, hein. Voire même un peu moins que minimum sécurité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça c'est bon. Forcément j'avais oublié que dans un coin comme ça, ils ne peuvent pas installer le câble électrique. Il faut quand même qu'ils y aient... Bah si, là ils ont réussi à l'installer. C'est quoi ce bazar? Installe un câble électrique ici tout de suite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a sauté? Mon petit tuyau qui devait aller là, il a sauté. Celui qui allait là, il a sauté. Celui qui allait là, il a sauté. Et là, je ne peux pas encore le construire, parce que logiquement, je ne peux pas encore le construire. Voilà. Voilà. Donc. Dans pas très longtemps, ça va être... Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Requier des toilettes. Mais il y a des toilettes, là. Il y a juste à attendre qu'il y ait un glandeur comme ça qui vienne les installer. Donc, staff, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager un accountant. Ça coûte combien par jour? 200, ça va. On va préparer l'arrivée des prisonniers. On va s'acheter quelques gardes, parce que sinon, ça va être le bordel. Parce que en même temps, le bordel, c'est souvent le bordel dans mes... Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah là 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 là. Bon, maintenant je vais pouvoir mettre mon petit tuyau ici. Voilà. Aïe, je viens de taper dans le filtre anti-pop du micro. Normalement, vous n'avez plus d'oreilles. Ah bah lui, il s'est installé quoi, carrément. Salut, il y a de la plage, je m'installe. Alors là... Sans faire exprès, j'ai complété tous les grants que j'avais. C'est génial, quoi. J'allais dire, on va regarder où on en est des différentes grants sur la to-do list, tout ça, et ben non, en fait, c'est tout complété. Par hasard, c'est tout complété. Alors pourquoi ici, il n'y a pas de pression? Parce qu'ils ont toujours pas installé le tuyau. Ça explique qu'en fait, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas de tuyau, des fois, il n'y a pas d'eau. Souvent, peut-être même. Voire même tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bordel ici? C'est que ici, c'est pas encore installé. Allez, on installe. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. On se dépêche. Plus vite. Hein. Ils arrivent dans 2 heures, les prisonniers. Ça serait bien d'avoir quelques cellules pour les recevoir. Allez. Alors là, pourquoi j'ai pas de mur ici? Parce qu'il n'est pas encore construit.
Ça explique. Cette cellule va être prête. Donc là, il y a de la flotte. Là, il n'y a toujours pas de flotte pour une raison... Deux, en fait, il n'y a pas de tuyau du tout. J'étais en train de me demander pourquoi il n'y avait pas de flotte, mais non, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de tuyau du tout. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est en train de terminer à être mis là. Arrêtez de foutre le bordel, vous! Toi, fais-toi... Oh, il a une petite arme. Ouh, il a une petite arme. Il a pété ses toilettes. Lui aussi a pété ses toilettes. Il a pété son lit aussi. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire, en fait. Toi, fais-toi chercher. Hop. Ce serait bien d'avoir un garde là pour voir ce qui s'y passe quand même. Donc, alors lui il veut s'échapper. Donc, fais-toi tabasser par un garde, vas-y. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je fasse du solitary et du lockdown. Toi fais-toi chercher, toi fais-toi chercher. Toi, fais-toi chercher, et les nouveaux prisonniers arrivent dans à peine 10 minutes. C'est génial. Non, de manière super, voilà. Donc les nouveaux prisonniers arrivent maintenant. De même que tous les pipes. Bon, ils sont où ces prisonniers? Ils sont là. J'ai combien de gardes de libre? J'ai 4 gardes de libre. On va peut-être s'acheter quelques gardes de plus. Un, 2 gardes de plus. On va s'acheter un chef des gardes. Et on va cliquer bureaucratie et on va s'acheter la ronde. Et vu que les prisonniers sont arrivés, ça serait bien que les gardes aillent les chercher quand même. Non, c'est dur, non? Pas possible. Genre quoi? Ah non, en fait, ils ont été, le pass feeding a été chercher les gardes qui étaient genre à 17 millions de kilomètres dans la prison. Pour les amener. Bon, par contre, c'est pas tout ça, mais il va falloir que je m'achète quelques coups de plus. J'ai du mal à cliquer ce soir. Un coup de plus et ma cuisine va être trop petite pour les prochains prisonniers qu'on va avoir. Donc il va falloir gérer un petit peu ça aussi. Donc voilà, maintenant, là-dessus, c'est la fin de cet épisode. Et on se retrouvera bientôt pour un épisode... suivant, et là on voit qu'il y a un de mes ouvriers qui s'est fait tartiner la tronche lamentablement. Donc il va falloir que je construise bientôt quelque part où je peux mettre quelques médecins. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, etc. Comme d'habitude, hein, choisissez le mot qui correspond et on se voit très bientôt. Salut !